Et bienvenue dans cette émission Pluriculture sur Escal Culture TV et Ocel Tora TV. Intronisé le 18 août 2020 dernier lors du Festival des Arts, de Culture et de la Tradition de Gène Yoruba Nago, par Sa Majesté Adeni Acha Muiwa, l'empereur mondial de la fraternité Ocel Tora, Monsieur Kokuvi Alade. Voilà, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été intronisé en tant que Olubodi. Olubodi, c'est quoi? Nous allons suivre rapidement un reportage issu de la cérémonie d'intronisation de Kokuvi Alade. Ils ne sont pas en train de tourner un film, c'est bien une réalité. Alade Kokuvi est devenu ce 18 août 2020 Olubodi, l'un des rodinitaires de la congrégation Olukpoki Oche Otura, un rituel qui a duré 3 mois au couvent. Cette dernière étape s'est déroulée au quartier Winta, dans la commune de Semepoji, en République du Bénin, lors du Festival des Arts et de la Culture Endogène Yoruba Nago d'Afrique, initié par Sa Majesté Adeni Acha Muiwa, empereur mondial de la fraternité Olukpoki Oche Otura. Alade Kokuvi, voilà aujourd'hui devant les repos du village de Winta, qui a été relevé par l'Aura cette année. C'est aujourd'hui que c'est avant-hier que tu as sorti de couvent pour les rituels de Olubodi, là où tu vas avoir toutes les forces pour diriger le monde à travers la congrégation de la fraternité Abedien Olubodi. Voilà aujourd'hui, tu as tourné 7 fois à gauche à l'arbre Iroko et 9 fois à droite à l'arbre Iroko. Ce qui veut dire que même si une personne, un être humain ou un esprit est tombé sur de haut sur terre, ne peut jamais te t'attacher à ta vie. S'il est vrai que Iroko est un esprit qui est une créature de Dieu, qui vive les grands, les sorciers, aujourd'hui maintenant, tu es parmi eux. Mais tu ne manges pas avec eux. Tu ne bois pas avec eux. Mais tu fais ce que toi tu veux parmi eux. Il y a le miel, il y a le beurre de karité, il y a le rouge que tu as lapé sur l'arbre du repos. Tout le bonheur de beurre de karité, de miel et de l'huile rouge soit avec toi. C'est ta main qui sera rouge. Tes yeux ne seront jamais rouges. Amen. Aujourd'hui, tu es délivré. Tu es revenu à toi-même. Tu es né par une maman et un père et tu t'es renaître aujourd'hui. Tout ce que tu veux dans ta vie, soit ainsi. Amen. 2 semaines après cette cérémonie, il reçoit des mains de l'empereur mondial de cette congrégation la calebasse sacrée, une représentation de la divinité Abedje Olupoki Oche Otura. Bemiro,
Ce pouvoir est donné à Alade Kokouvi pour guérir l'Afrique en général et le peuple togolais en particulier de tous ses maux. Nous allons recevoir sur ce plateau M. Alade Kokouvi. Bonjour M. Kokouvi Alade, merci d'avoir accepté notre invitation. Et au Togo, en Mena, on dit Niaoué Zondo. Oui, c'est comme ça on dit au Togo. Voilà, mesdames et messieurs, il est bel et bien avec nous et il va nous donner plus de détails sur cette cérémonie d'intronisation et le pouvoir, le titre qui lui a été attribué ce 18 août 2020. Alors, vous avez été intronisé, comme je l'annonçais tantôt aux téléspectateurs. C'est quoi le titre de votre pouvoir? Merci beaucoup. Je vous remercie. Et je remercie la congrégation Olpoké Oshetwa. Je remercie Sa Majesté Toba Acha Achi Ishefe Sambaï Yoruba. Et je remercie tous les téléspectateurs en présence de cette image. Oui, j'ai été intronisé le 18. Et mon titre dans cette congrégation est Olubodi. Olubodi, c'est le plafond initiatique de cette congrégation. Quand tu atteins à ce niveau, tu as la grade élevée de la congrégation. Et Olubodi veut dire quoi? L'homme qui gouverne l'esprit de l'eau, la rivière, c'est-à-dire la rivière et la mer. Voilà la force de la grâce. Et il est appelé à réunir, à regrouper, à vraiment faire un avec toute l'humanité. C'est lui qui est appelé à valoriser la tradition spirituelle, parce que c'est lui qui communique souvent avec les esprits. Il est là à communiquer avec les esprits comme il faut, à tout moment et à tout temps. Alors, et bien avant ce titre, cette intronisation, quelles sont les étapes? Oui, avant d'arriver à cette étape, il y a au moins plusieurs étapes à franchir. Oui, quelques-unes. En premier, quand tu rentres dans la congrégation au Chetoura, tu vas mettre le pied dans la rivière. Le pied dans la rivière, c'est le premier niveau initiatique. Est-ce qu'il faut aller à la rivière ou bien c'est un message codé? C'est un message vraiment codé. C'est une initiation. On va t'initier à ça. On va t'initier. Quand on t'initie, tu sauras que tu es rentré dans quelque chose. C'est un rituel, tout un rituel, un processus qu'on doit vraiment te faire ce jour-là. Et tu sauras que tu as mis pied dans la rivière. Voilà, et bien avant. Et après ça? Après ça, il y a autre cérémonie, une deuxième étape que tu vas passer. C'est là qui maintenant sort ton nom. C'est là qui sort ce que tu es dans la congrégation. Avant que je ne sois nommé Olubodi, il y a une insertion que j'ai reçue au milieu qui a fait sortir ce nom Olubodi, qui a montré que je dois être en communication étroite avec les esprits de la rivière et de la mer. Tu vas passer par là d'abord. Avant d'avoir ton nom, c'est là le nom sort. Parce qu'il y a plusieurs grades dans la confrérie. Il y a plusieurs grades. Mais avant qu'on ne sache ce que tu es, c'est l'initiation-là qui montre ton niveau à atteindre. Donc j'ai eu à passer par là et c'est là le nom est sorti. Maintenant, après 3 mois, tu dois sortir du couvent. Et c'est ce que j'ai fait la fois passée, le 18 août 2020. Je suis sorti de la rivière, je suis sorti du couvent et mon nom m'a été attribué normalement et donné comme il faut. J'ai vécu avec les esprits pendant 3 mois et je communique normalement avec eux. On me l'a attribué, on me l'a donné. Je deviens le père, c'est-à-dire celui qui va réunir ses enfants et valoriser la tradition africaine sur le monde entier. On vous a vu tout à l'heure entrer dans l'Ironco. Alors, est-ce que vous pouvez nous retracer un peu l'affaire? Et c'est un fait spirituel. C'est un niveau aussi spirituel. Entrer dans l'Ironco, c'est aussi un niveau avant qu'on ne t'intronise, on te met sur le fauteuil de Sa Majesté, tu dois passer par tous ces esprits. L'Iroko, c'est un esprit. Tu dois passer par ça. C'est tout un village, c'est tout un monde que tu dois au moins faire face, parler avec eux. Eux aussi doivent t'accepter avant que tu ne sortes de là. C'est quand tu sors de là
qu'on t'intronise. Est-ce que cela veut dire que vous êtes sorcier? Parce que nous voyons souvent que les sorciers et sorcières vivent dans l'Iroko, oui. Comme chez nous en Afrique. Merci beaucoup pour cette question. On le dit sorcier. Oui. Quand on parle de sorcellerie, les gens parlent mal, pensent mal de la sorcellerie. Parce que quand on dit sorcier, le mot sorcier vient des Européens. Sinon, chacun de nous est né sorcier. Si tu n'es pas sorcier, tu n'es pas sur terre, tu ne vis pas. Tu ne vis pas. Quand tu n'es pas sorcier, tu n'as pas de vie, tu viens, tu pars. La sorcellerie, cette forme de sorcellerie qu'on parle, ça ne veut pas dire que quand je suis rentré dans le bureau, je suis ressorti. Le mot sorcier, là, m'est attribué, mais ça m'est attribué parce que il faut être ça avant d'être ce qu'on dit aujourd'hui. Tu es plus qu'un sorcier. Quand on parle de la sorcellerie, j'en pense au mal, non? Ce n'est pas le mal, ce n'est pas faire du mal, et comme on le pense, va tuer, il va faire de n'importe quoi avec cette force. Non, c'est mettre la main sur tous ces esprits. Tu viens, tu deviens leur maître, tu contrôles l'au-delà et ici. D'accord, merci beaucoup pour ces explications. Voilà, nous avons vu juste après cette intronisation, et que récemment, le mardi dernier, vous avez reçu une calebasse. Moi, j'appelle ça calebasse puisque je ne suis pas initié. C'est quoi cette calebasse? Merci beaucoup. Vous avez bien posé la question. Ça va. Si on ne demande pas, on ne connaît pas. Voilà. Oui, vous avez bien vu une calebasse. Mais ce n'est pas une calebasse. C'est le fétiche de la congrégation au cher Torah à Bethel. C'est ça, la calebasse que vous avez vu. C'est le fétiche. Le fétiche qui contrôle ou bien qui a le pouvoir sur la rivière et la mer. Comme je suis Olobodi, je dois l'avoir toujours avec moi. C'est ce qu'on m'a remis, c'est ce que Sa Majesté m'a remis le mardi. Alors, un message à tous ceux qui nous regardent en ce moment, partout dans le monde, par rapport à la fraternité Olobodi, Oshotoa. Merci beaucoup, merci. Et je fais appel au monde entier, oui. Noir comme blanc, comme rouge, et de chercher sa source. Et sa source, c'est d'où vient la spiritualité, la force africaine. Et je fais appel à tout Africain dans le monde entier d'être dans le bain de leur source, c'est-à-dire de se confier à la tradition de leur source. Je peux dire, ou bien notre objectif dans la confrérie, ou bien dans la congrégation au Cheikh Toura, c'est valoriser, donner valeur à la tradition africaine. Notre source, reconnaître, revenir à notre source, savoir qui je suis, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux manger pour être élevé, pour être dans les normes. Parce que nos grands-parents, je me rappelle nos aïeux, c'était en fait 200 ans, c'était en fait 150, c'était en fait... Mais aujourd'hui, on nous parle de 75 ans ou 70 ans. Quelqu'un a calculé l'âge que l'esprit a donné à quelqu'un qui a déjà 70 ans. Tu as dit, non, c'est faux, c'est faux. Quand tu vis bien dans ta source, le milieu spirituel d'où tu viens, tu connais ta tradition, tu peux dépasser 100 ans. Parce que tu sais quoi manger, quoi faire, quoi dire, comment même prendre l'humanité, tout le monde. Et s'il y a les envoûtements? Quels que soient les envoûtements, si tu es dans les normes, ça ne vient pas. Quels que soient les envoûtements, si tu es dans les normes spirituelles africaines, la personne va tout faire, va t'appeler sorcier. C'est ce que là on nous attribue le mot sorcier. C'est là où on donne maintenant le mot sorcier. Quand tu reviens à la source, tu es seul. L'âge qu'on nous a donné, c'est par rapport aux médicaments, aux trucs qu'on mange aujourd'hui, les trucs exportés. C'est ça, nous manger, c'est ça qui a limité notre vie à 70-75. Quand tu es à 115, on dit tu es trop vieux, tu es... Non. Mais quand tu reviens à la source va te donner des tracés, va te tracer sur tout ça là. Même cette fumée qui est couche de zone, toi tu seras épargné spirituellement de ça. Oui, mais à ce niveau, nous voyons... Les occidentaux, c'est-à-dire les blancs, vivent peut-être à 90 ans, 95 ans. Et voilà que chez nous en Afrique, à part 60 ans, 50 ans, 70 ans, au plus 80 ans. Merci. C'est parti. Merci beaucoup. Oui, c'est vrai. Vous savez, celui qui
te donne à manger. Celui qui cueille, qui est sur l'arbre, il cueille. Il te donne à manger. Il peut te donner du fruit à manger sans que tu le saches. Tu vois. Lui, il est en haut. Ce qu'il mange, tu ne le vois pas. Mais ce qu'il te donne, lui, c'est. Je ne veux pas trop aller, je ne veux pas aller loin. Alors, sur ce plan, je comprends déjà. Et les téléspectateurs aussi vont essayer de vous comprendre sur ce sujet, parce qu'on ne va pas trop attaquer les gens, ou frustrer les gens. Oui, voilà. Alors, en tant que Olubodi, c'est bien ça, oui, Olubodi. Je rappelle que vous êtes togolais. Oui, et vous allez rejoindre votre patrie, le Togo. Oui. Et en restant chez vous, quelle sera alors et votre mission pour la valorisation de cette fraternité au Loko Kirchetoa? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je ne vais pas aller en arrière. Et si j'ai la bonne mémoire, c'est que j'ai mis pied dans la fraternité au Loko et à chaque bien. Et à chaque international pour réunir les Togolais, pour réunir tous les Togolais à être ensemble et valoriser notre tradition. Mon retour d'ici au Togo me donne l'opportunité ou bien une grande fierté que je suis venu prendre le bâton de Kabiesi pour réunir mon peuple à leur tracer leur voie spirituelle du sud au nord, de l'est à l'ouest. Et c'est réunir tout le monde pour pouvoir évoluer et valoriser la tradition. Acha Ochetura. Merci beaucoup, monsieur Alade Kokouvi. En quelques secondes, vous allez regarder la caméra et puis parler au Togolais. En maintenant. Ok, merci beaucoup pour cette opportunité. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Pluriculture sur Escal Culture TV, Ossetora TV, stop et fin. Le prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine, même heure, même fréquence et surtout le même plaisir. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.